Aujourd'hui, le dossier UFDG et le ministère public contre M. Madoufine Diané a été effectivement appelé à l'audience publique du tribunal correctionnel de Mafanko pour la suite des débats. Donc, le tribunal a joint les exceptions afin de non-recevoir qui avaient été soulevées par Madoufine Diané et qui tendaient à faire obstacle à la poursuite du procès. Au fait que ces exceptions soient jointes au fond, les débats ont été entamés immédiatement. Donc les débats ont été entamés immédiatement et par l'interrogatoire du prévenu. Au cours des débats, qui ont duré près de 4 heures d'horloge et qui ont retenu le prévenu à la barre, il a été incapable de démontrer que l'UFDG a fabriqué une machine. Il a été incapable de démontrer que l'UFDG a distribué des cartes d'électeurs. Il a été incapable de démontrer ou de rapporter la preuve alors qu'une femme avait été prise pendant le premier tour en possession de 2 cartes. Il a été incapable de rapporter la preuve irréfutable que l'UFDG a acheté cette machine-là à partir de l'Afrique du Sud. Donc, criblé des questions de part et d'autre, du côté de la partie civile du parquet, il n'a pu rapporter la preuve d'aucune de ces affirmations mensongères et qui ne repose sur aucune base légale. Il a été également suffisamment établi qu'il a tenu des propos régionalistes en disant que s'il venait au premier tour avec le président Sellou, alors il aurait été considéré comme l'agent secret du professeur Alpha Condé ou du camp de Alpha Condé au sein de la formation politique de l'UFDG. Donc il a été établi qu'il a tenu des propos régionalistes. Or, il est poursuivi pour des propos régionalistes, il est poursuivi pour dénonciation calomnieuse, il est poursuivi pour diffamation. En somme, tout au long des débats qui ont eu lieu aujourd'hui, le prévenu a été dans l'incapacité totale de rapporter la preuve, la moindre preuve de ses allégations. Il partait de gauche à droite. Il est même parti nous dire que pourquoi nous on n'a pas commencé par une plainte à la police ou à la gendarmerie. Ça nous a fait rire lorsque nous savons pertinemment que quand il faut poursuivre certaines catégories de personnes, sûrement qui se croient au-dessus de la loi, la procédure peut piétiner, la procédure peut ne pas avancer. Mais la citation directe permet de venir directement devant la juridiction de jugement. Donc les débats ont donné de très bons résultats. Les débats ont démontré à suffisante que vraiment l'UFDG et son président ont été diffamés, ils ont été calomniés et le prévenu a tenu des propos régionalistes parce que lui il était dans les généralités et il refusait de revenir sur terre pour donner la preuve. Il a été établi avec preuve à l'appui que l'UFDG n'a commis aucune fraude ni au premier tour ni au deuxième tour. Donc les débats ont été reportés au 13 pour la comparution du représentant de l'UFDG, c'est-à-dire Dr Fodewoussou. Et ce jour-là, si Dieu le veut bien, il sera présent et il donnera sa part de vérité. Et je pense que nous aborderons les réquisitions et plaidoiries. Et je vous remercie. Mais nous sommes très très satisfaits du déroulement des débats. Nous sommes très satisfaits du fait que voilà un prévenu qui est parti à la radio et qui s'est mis à faire des déclarations sans preuve, des déclarations calomnieuses, des déclarations gravissimes, au lieu de s'occuper de sa petite retraite dorée avec tout ce qu'il a représenté dans ce pays. Non, il a plutôt préféré qu'on parle de lui. On ne peut pas parler de toi aujourd'hui, demain, après-demain et après-après-demain. Il y a d'autres encore qui peuvent faire mieux que lui. Donc de toutes les façons, justice sera rendue et conformément à la loi. Dans ce procès-là, nous avons soulevé un certain nombre d'exceptions tirées de ce que est de fin de non-recevoir, surtout du fait que certaines infractions reprochées à El Hadj Magnifique Diané étaient sujettes à prescription parce qu'elles auraient été commises, à les supposer établies, en 2010. Nous sommes en 2014, alors que la prescription des délits est de 3 ans.
Une fois que le délai de 3 ans passe, on ne peut plus poursuivre. Mais le tribunal a jugé nécessaire de se réserver, de répondre à ces exceptions et demander à ce que les parties aillent au fond de l'affaire. Donc nous sommes allés au fond de l'affaire. Des questions ont été posées par la partie civile à M. Diané. Mais ce que nous avons remarqué, c'est qu'aucune des infractions pour lesquelles nous avons demandé que le tribunal constate la prescription, aucune des questions n'ont été posées à propos de ces infractions, c'est-à-dire discrimination, abus d'autorité, etc., etc. Donc, nous pensons que les débats continuent. L'affaire a été renvoyée au 13 juin pour continuation des débats et surtout pour la comparution de la partie civile, le vice-président de l'UFDG, M. Fodewoussou, qui, depuis le début du procès, brille par son absence. Alors que c'est l'UFDG qui a porté plainte pour diffamation. Donc, au cours de l'audience prochaine, nous espérons qu'il sera là pour qu'on lui pose un certain nombre de questions. Mais je tiens à vous dire que le point focal de la diffamation, c'est lorsque mon client, El Hadj Manifine Diané, a déclaré les 42% du président de l'UFDG arrivés au premier tour sont le résultat de la fraude. Nous estimons, nous, que l'UFDG ne comprend pas le français. Parce que s'il comprenait le français, il n'allait pas poursuivre mon client pour diffamation. Les 42% de M. Seloud Dalin arrivés au premier tour sont le résultat de la fraude. Cela ne veut pas dire que l'UFDG a fraudé. Cela veut dire que ces 42% sont le résultat d'une fraude généralisée. Tout le monde a fraudé au premier tour.